Peggy 18. Certains spectateurs pourraient trouver les images qui vont suivre violentes ou choquantes. Vous voilà prévenu. Recoucou tout le monde, j'espère que ça va toujours. Moi j'ai peur, franchement, ça me fait flipper par moments. Je suis arrivé par là, faut pas que je repasse par le même chemin, j'ai pas envie de tomber sur le grand monstre. Une réserve? Oui. C'est tout ce qu'il y a. Ah, tu vois, ça y est, je peux... Ah, là, il y a des objets. C'est tout ce que j'ai, les gars? Non, mais, hé. J'en veux un peu plus. Moi, j'ai pas beaucoup d'outils. C'est pas grave, ça me permettra de mettre en moins quelque chose encore amélioré. Donc, 18. Donc, qu'est-ce qu'il y a à 15? Tiens, le pauvre mec, il est en train de chercher quelques trucs. Alors, en fait, ça, c'est les niveaux, j'ai l'impression. Au niveau des... Ouais, bah, c'est ça, en fait. C'est le niveau des outils. Plus j'en ai, plus je pourrais perfectionner petit à petit. Mais ça, c'est à force de passer dans le gameplay. Je pense qu'on va les débloquer au fur et à mesure. Donc, l'arc, il me manque un tout petit peu. Deux trucs, en fait. Il nous manque un. Ça risque de piquer un peu. Donc, qu'est-ce que je peux mettre de plus? Ouais, tu pourras me dire que je pourrais mettre une balle de plus. Le recul, c'est pas si important que ça pour ma part. Ça tient pas. Je trouve pas que c'est un truc... On va recharger un peu. Dommage qu'ils n'ont pas mis une balle de plus, par exemple. Une balle. Des munitions en plus supplémentaires. Et que tu peux, par exemple, voir de temps en temps un mec. Un mec, je dis ça, mais c'est la fin du monde. Le mec, pas logique, quoi. Ouais, où t'as des endroits où tu peux acheter des munitions. Ça aurait été sympa à pas acheter, mais trouver beaucoup plus facilement. Parce que là, franchement, c'est une galère. Oui, si tu veux. Je l'ai eu. Bien joué. Ils sont deux. Trois. Pas aujourd'hui. Et toi? Pas aujourd'hui. Ok. On se sépare. Et on s'assure d'avoir loupé aucun de ces enfoirés. J'en ai marre, moi, sérieusement, de me faire avoir. Bon, par contre, là, je vais le piquer à la seringue, comme ça, je pourrais m'en débarrasser, parce que j'en ai une seringue qui me manque un peu à le poignarder. Voilà, comme ça, je pourrais en créer une où il y en aura trois. Une friteuse. Ah, là, il y a quelque chose qui brille. Ça, c'est un truc de soin, c'est obligé. Vu que j'en ai besoin un peu de M&M's. Merde, il va repérer que son pote est tombé par terre. Merde. Faut vite que je le tue. Pour l'instant, il sait pas, mais il va voir. Hein. Cette fois-ci, je l'étrangle, parce que comme ça, je garde mes seringues intactes. Allez, fais dodo. Et nous embête plus. Fais dodo. Et tu ne m'embêteras plus comme ça. Alors là, je cours parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'ils ont dû cacher. Et bah, j'ai couru pour rien. C'est moi, c'est Body. Je fais que des bêtises. Je cours partout, je trouve jamais rien. Et que voulez-vous que je vous dise? C'est pas facile, hein. Là, j'ai repéré qu'il y a un monstre, en fait. Bon, c'est plutôt leur copain qui est là-bas. Deux copains. Ça va être chaud. On passe sur ce côté-là. Ils sont deux. Hein. Et comme par hasard, dès que j'avance, eux aussi, ils avancent. Encore une fameuse brique. J'en ai marre de ces briques. Il n'y en a pas un troisième qui va apparaître quelque part, là? Non, c'est bon. Lequel tu neutralises, toi? Merde. Elles sont côte à côte, hein. Moi, tu me diras, je peux m'occuper des deux n'importe comment. L'autre, il va rien voir. Je suis caché derrière le petit muret. Il faut que je me dépêche, par contre, là. Vous voyez, il faut la jouer un peu malin comme ça, mais sans non plus exagérer. Là, je vais l'attendre ici.
Coucou mon petit, tu vas pas voir ce qui va t'arriver. Oh, t'as plus de crâne, je suis désolé. T'avais une super belle batte, dis donc, hein. Faut partager des fois vos trésors. Hein. Bon, j'arrête mes conneries. Je vais explorer un peu pour voir qu'est-ce qu'il y a ici. Il n'y a pas d'indice, il n'y a rien. Donc, eux, ils sont arrivés par là-bas. Plutôt, ils étaient positionnés là-bas. C'est peut-être que il y a une bouteille pleine. Non, ça m'intéresse pas. Ah, tu vois. Enfin, il y a des trucs. De toute façon, j'y ai pas assez. Hein. Quoi qu'il arrive, hein. C'est pas avec ça que je vais essayer de... Ah, il y a quelque chose qui me plaît là. Une échelle. J'ai compris où fallait la mettre. Juste ici. Elle est grande ou pas? Ouais, elle est très grande. Body, Houston a un problème. Tu ne passes pas avec ton échelle ici. Tu ne passes pas avec ton échelle de ce côté-là. Donc là, je pense que c'est le bon endroit pour passer. Non, là, il se fout de ma gueule. Ça veut dire qu'il veut pas. Attends, quoique. Pose-la, pose-la, je veux la poser là. Mais je veux la poser là. Mais il veut pas. Bon, on va tester une dernière tentative ici. Il va m'envoyer chier aussi. Ouais. Ah bah oui, Body, espèce de con, va. C'est là-bas qu'il fallait poser le truc. Je sais pas pourquoi je m'aventure 9 fois dans des trucs assez bizarres. Je vous dis, hein. Il y a des choses comme ça, moi, qui m'effrayent. Là, on aurait dit une note de service. Attends, je vais signer le registre. Je viens de poser l'échelle. Oh non. Bon bah, merci pour le chaos. Je me suis bien rafraîchi, perso. Désolé un peu pour le bruit du joystick, mais faut que je survive. Étrangle-le, étrangle-le. Encore, ils vont me changer de touche. Ah, j'ai mon pistolet. Eh ben voilà. Bah maintenant je peux lui donner un pétard. J'ai vraiment pas loupé ce type, hein. Non, tu m'étonnes. Je vais vomir. Pourquoi t'es pas resté en retrait comme je te l'avais dit? T'es content que je l'ai pas fait, non? Je suis content de pas m'être fait exploser la tête par une foutue gamine. Tu sais quoi? Non. Je m'attendais à... Hé, Ellie, je sais que c'était pas facile, mais c'était lui ou moi. Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu crois que tu pourrais me dire ça, Joël? Il faut pas qu'on reste là. C'est toi le chef. Et je la kiffe trop, cette gamine. Elle est trop intelligente. Et Joël, c'est un petit con. Mais qu'est-ce que tu fais, espèce d'idiot? T'as intérêt à monter, maintenant. T'as le mec, il va reprendre l'échelle comme si c'est à lui, quoi. Prends aussi des échafaudages avec toi d'entrée de jeu, quoi. Comme ça, tu peux grimper tous les trucs. Il n'y a plus personne. Bonjour, je vais vous taper un petit discours. Il n'y a rien négatif. Attends, mais elle me suit pas, elle? Ah, voilà, j'avais peur. Je me suis dit, attends, elle me suit plus maintenant. Regardez, de l'autre côté, c'est obligé que je peux traverser ici. Ah, tu vois? Oui, Joël. Et là, c'est parti pour le trésor caché. 10. Moi, je crois que je vais encore améliorer mon arme. Encore un livre. Derrière le bar, peut-être qu'il y a des trésors. Non, il n'y a rien. Je sais pas ce que j'ai avec les trésors, moi, mais faut que j'arrête avec ça. Non, il n'y a plus rien. Oh, quel dommage. C'est des briques qui brillent, c'est des trucs comme ça. Non, c'est pour l'instant, c'est pas trop ça. Donc les amis, je fais juste un truc. Promis, je redescends.
J'améliore vite fait une capacité. Je suis à combien? Ah, c'est pas comme ça que je le verrai. C'est comme ça que je le verrai. Donc là, je suis à 25 au niveau de la compétence. Faut que je fasse maître de seringue. C'est ce qu'un abonné m'a dit. Il n'y a plus d'échelle. C'est pas vrai. Ils ont carotte mon échelle. Attends. Ils ont carotte mon échelle? Ah, elle est là. Ça va être rapide, hein. Comme ça, je vais essayer de me mettre un petit peu une capacité supplémentaire. Parce que ces trucs-là, en fait, pour confectionner votre arme, c'est super long à trouver. J'avais même des trucs ici que j'ai encore oublié, tu vois. Coup de chance que je suis revenu dans la réserve. Attention, mais je suis passé par où tout à l'heure, moi? Ah, par là. Et c'était le premier bureau qui se trouve à gauche. Ah, t'imagines, t'as un gros monstre qui arrive. Donc maintenant, je suis à 26. Ça va devenir un peu plus intéressant. Donc, qu'est-ce que je peux améliorer à 26? L'arc en question, la portée. Voilà. Comme ça, on aura ça. Là, ça va le faire. Et je repars. Parce que c'est important, parce que ces trucs-là, je les vois tellement rarement. Que si je commence à louper une telle occasion, donc les outils que je transporte vont me servir pas forcément à grand chose, mais vaut améliorer tout de suite les choses, par exemple les accessoires ou les compétences, pour que après je sois plus à l'aise et que je maîtrise un petit peu plus ces choses-là. C'est juste à côté, donc après on a juste perdu 30 secondes de notre vie à faire ça, mais c'est pas trop grave. Bon, maintenant on va passer tout droit. Ici, on va sauter. Faut retourner dehors. Faut trouver ce pont. Oh, j'ai horreur de ça. De quoi t'as horreur de ça, Joël? Un manuel encore? Non, un couteau. Là, y a rien. Mais moi, je veux des pilules. Il m'en fout pas mal, là. Ici, il y a quoi? Il n'y a rien sur cette zone. Je pense qu'ici, on est bien positionné. Non, il y a juste un chiffon. Je vais juste faire cet équipement, comme ça on en aura au cas où. Ah, il me manque encore une lame supplémentaire. Ah, c'est dommage. Ah, un pendentif. Ah, c'est bien, on a deux. On peut en mettre deux maintenant dans le pistolet. Dans le fusil, pardon. On peut chambrer deux cartouches. On a un mini chargeur de 2 balles. Elle fait quoi, elle m'attend? Ok. Suis plein. Un manuel. Ah d'accord, c'est ça, faut que je trouve en fait, c'est ça les manuels. Oh non. C'est-à-dire que si j'en loupe, c'est fini. Ah, c'est dommage en fait qu'ils en ont pas mis sur ton passage, peut-être que j'en ai déjà loupé, je suis pas certain. Comme j'expliquais, je connais pas le truc à 100%. Mais pour l'instant, j'ai tellement fouillé la zone, c'est que j'ai juste dû louper un seul coffre. Ce qui est un peu grave, mais bon. Attention, il y a peut-être des mecs ici. Je sais pas pourquoi ça va finir en scène de combat ici. C'est quoi ça? Ok. Qu'est-ce que t'as découvert? Une toile, ok. Donc ça c'est une scène... Mais c'est une scène. Ouais, c'est une scène en fait. Et à côté... J'ai une brique. Pourquoi pas aussi une bouteille, tant qu'à faire. Hein. On peut sortir par cette porte. Hé, hey, tu vois un moyen d'aller là-haut? Non. Faut peut-être se servir de ça. Mais moi, je voulais pas... Ah, d'accord. En plus, c'est la roulette. Allez, Joël. Mais qu'est-ce que tu fais, Joël? Faut que tu pousses. Allez.
Tu peux m'aider? T'es sûr que tu peux compter sur moi? Ellie. Allez. On va pousser ça rapidement. C'est ce que je fais. Pousse plus fort. Bon là il va attirer tous les zombies. Hein. On y va. Ça va, pour l'instant il n'y a rien, mais ce que j'aime bien moi sur ce truc, c'est que tu peux scanner tant que tu veux. Mais c'est pas pour autant que tu vas jamais tomber sur les mecs. Hein. Parce que tout à l'heure je fais que ça pour voir s'il y a quelqu'un et comme par hasard ils apparaissent par moment en fait. Par petite vague. Là ils ont mis quoi là? Ils ont mis encore des outils, j'espère. Non, encore des petits trucs. Hein. Pour l'instant, ça a l'air d'être cool. Hein. J'ai bien dit pour l'instant. On n'est pas sorti d'affaire. Hein. Là, il y a quoi? Qu'est-ce que vous en dites là? Il y a quelque chose à votre avis? Non, il n'y a rien. On va sortir à l'extérieur. Je pense que ça va être une bonne solution. Donc, le dîner, il a tourné au cauchemar. Tu m'étonnes et on sort. Oh, enfin un peu de végétation. Ça me manquait personnellement. Oh merde! Viens là, baisse-toi. Alors écoute, je vais aller en bas et je vais nous dégager la voie. Et moi alors? Tu restes ici. Mais c'est vraiment stupide. On aurait plus de chance si tu me laissais t'aider. C'est le cas. Bon, t'as l'air de savoir te servir d'une arme. Tu crois pouvoir utiliser ça? Ben... j'ai déjà un peu tiré au fusil. Mais sur des rats. Des rats? Avec des billes. Bon, c'est presque le même concept. Soulève-le. Écoute-moi. Tu vas devoir t'appuyer contre la crosse, parce que le recul est bien plus puissant que sur un fusil à billes. Ok. Fais reculer le levier. Soulève-le. Enclenche-le. Voilà. Dès que t'auras tiré, tu vas devoir recharger immédiatement. Écoute bien. Si tu vois que ça chauffe pour moi, tu ne gaspilles aucune de tes balles. Ok? J'ai compris. Parfait. Et pour revenir à l'histoire de tout à l'heure, c'était vraiment lui ou moi. Il n'y a pas de quoi. Je vous dis, elle est trop adorable. Enfin, elle a une arme. Ça fait plaisir, comme ça on est plusieurs à avoir l'arme en fait maintenant. On est deux. Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Calme-toi! Qui est mort? Toute l'équipe. Les 76 vigiles. Un putain d'intrus les a tués. Il est à tout 76 tirer. Vigiles? C'est un cinglé le mec. Hein. Le boss? Ouais. Il veut tout le monde à son poste. Faut surveiller le pont. Ok, c'est pas compliqué. On fouille la zone, on laisse passer personne. Qu'est-ce que... Oh, c'est triste, un body a déclenché encore quelque chose de catastrophique. Hein. Plus de tête, quoi. Ah, je peux zoomer. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah bah là, elle est encore plus précise que moi. C'est un truc de dingue. Bon bah voilà, c'est réglé. Elle a tiré sur des gros rats. Ah, j'ai même pas vu qu'il y avait un mec ici. Quoi, c'est quoi ça? Il y a quelque chose là qui me tire dessus, qui me fait du mal. C'est quoi, je passe au fusil à pompe. Je vais me soigner un peu rapidement les amis, je pense que ça va devenir beaucoup plus intéressant. Ellie, je la kiffe. Elle est en train de tous me les tuer. Il reste le mec là-haut, je crois. Bon, on va charger une autre balle. Ah, le temps que je verrouille. Il y en a un autre quelque part ici. Il est là? Ah mais il est plus précis que moi lui. Hein.
Lui est en train de le blabattre comme un petit rat vivant. Bon là je vais économiser mes cartouches. Oh putain mais eux dès qu'ils te balancent leur truc ça y va hein. On se soigne une dernière fois. Après j'ai plus de trousse, faudra que j'en prépare. Ils sont nombreux quand même je trouve hein. Mais hé, hey, mais c'est un truc de dingue, mais... Ah, ils sont 20, c'est pour ça. Ah, merde. Bon, bah, désolé, les amis, je me suis totalement loupé, à cause d'une erreur stupide. C'est que je pensais pas qu'ils étaient aussi nombreux. J'ai mal préparé mon coup. Bon, bah, là, y'a rien, j'ai l'impression qu'ils sont tous morts. C'est encore mieux. Ici, y'a quoi? On va charger. On passe au fusil à pompe. Là, il y a quoi? Des objets encore à récupérer. Un vase derrière le bar. Non, c'est pas un bar, ça. Là, il y a rien. Caisse enregistreuse. Je vais essayer de les avoir en filature. Mais y'a rien. Où est-ce qu'ils sont? Ah, y'en a un là. Vous inquiétez pas, Ellie, elle va les avoir. J'en ai juste repéré un là. Mais y'en avait plus tout à l'heure. Ils sont à l'intérieur, ok. Ah, c'est super long par contre. Hein. Il y en a un ici. Merde. Là, ils me prenaient de côté, je fais comment? Oh, mais l'autre, il a rien vu. C'est trop bien ça. Et là l'autre il a rien vu. Ça y est, je suis détecté. Par leur copain. Je vais courir un peu histoire de lui mettre une balle. Il est casqué, c'est pour ça que j'ai du mal à le tuer. Son copain il est juste là. Là il y a un sniper quelque part. On va recharger rapidement à l'arrière comment ils sont. Ah, il y en a de plus en plus. Pff, ah, ils sont cons, ils se balancent eux-mêmes des fumigènes. Coucou copain, je t'ai brûlé. Ne t'inquiète pas, tu m'auras pas. Il y a quoi à me donner? Alors, un petit fusil. Fusil à pompe, c'est très pratique. Hein. Il y a quoi attends, à ramasser là? Un petit morceau de chiffon. Ces body, au lieu de tuer, il ramasse des objets, lui. J'ai repéré un mec quelque part. Ah, elle l'a repéré, lui aussi. Ah, c'est comme ça que tu zoomes, c'est encore mieux, ça. Ok. Descends. J'étais comment? Qu'est-ce que tu dirais d'un truc? Un peu plus à ta taille. C'est juste pour les urgences. Ok.
Là, la sécurité est mise. Tu sais comment faire pour la retirer ? Oui. Bon, il faut que tu fasses attention. C'est pas un... Joël, je serai prudente. D'accord. Je crois que j'ai oublié quelque chose de ce côté-là. Je suis pas certain, mais je suis sûr que j'ai encore oublié mes conneries, là. Là, tout à l'heure, j'ai vu un truc briller. Non, je me suis trompé, c'était rien du tout d'extraordinaire. C'était des interphones et des systèmes d'alarme. Ok, c'est comme ça, en fait. En fait, j'étais en train d'amasser les chiffons et les bonhommes ont disparu. Je sais pas ce que vous en dites, mais par moments, c'est assez marrant. Donc, je vous retrouve tout de suite pour la suite. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a fait plaisir. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Et pour les simples visiteurs qui ont découvert ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner si bien sûr vous le souhaitez. Ça vous permettra d'avoir pas mal de vidéos qui vont arriver très prochainement sur pas mal de jeux différents. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et j'ai créé aussi un site internet. Ça vous permettra de tout simplement trouver pas mal de choses très intéressantes dessus. Tous les liens sont dans la description, et si vous cherchez aussi des bons plans, c'est également dans la description. A bientôt les amis, prenez soin de vous, et à très bientôt.